Alors. Ouais, re-requête. Je t'invite en partie si t'es encore là. Bah, si t'es pas occupé, je baisse un peu le son de la musique. Je trouve qu'elle a un peu criarde à force. Rocket. Voilà. En espérant que ça rebug pas. Voilà, bon, c'est parti. Un peu les gens, je suis perdu parce que j'ai plus grand chose en mémoire. Je passe par là. Putain, ça va se passer. Personne ne passe. Mais regarde. Oui. Ça va. Ouais, comme je te disais, en fait, si tu veux, pour éviter soit d'être harcelé, soit de tomber sur des personnes qui sont, que je veux pas voir, je me mets toujours en hors ligne maintenant. Ça évite pas mal de problèmes, tu vois. Parce que soit je me fais harceler, tu vois, parce que vu qu'ils savent que je suis un gros gamer, et que j'ai une quarantaine de jeux, quoi, presque 50 maintenant, je pense. Je joue un peu à tout, donc quand ils sont bloqués sur des trucs et tout, ils viennent te demander, mais ils t'envoient des messages, mais il faut que tu viennes de suite, alors que t'es sur un jeu, donc moi je suis en ligne, je dis s'ils ont des trucs à me poser, ils viennent sur le live, je leur explique, si je peux leur expliquer, si je sais pas leur expliquer, je leur ai fait une vidéo, donc voilà, parce que laisse tomber. Parce que là, tu vois, j'ai tous les assassins à terminer en priorité. Là, j'ai fait une liste de jeux prioritaires. Donc ça va être tous les assassins. Donc il y a déjà le 4 qui est presque terminé, celui-là qui est presque terminé. Après, j'aurai le Brotherhood à faire en totalité. J'aurai le Révélation à faire. J'aurai le Syndicate à faire. Après, il faut que je termine aussi le Need for Speed Rivals. Après seulement, je vais partir. Je crois que le jeu le plus court que je vais faire, ça va être Hitman. Je vais enchaîner l'entrée. Je vais faire Hitman. Et ensuite, je partirai sur du Final Fantasy et du Resident Evil. Resident Evil 7 une collection à faire. J'ai le 4, le 6. Ah ouais, j'ai pas ça. Je te dis, j'en ai pour l'année là. Tu sais, je peux te dire que je peux m'absenter d'acheter des jeux pendant une année, j'aurai pas ça. Le truc il est là, tu vois. Normalement moi aussi, on a peut-être le même. Quand on va se concentrer, ils seront le 15 ouais. mars. Voilà, c'est ça. Alors, 15 mars ouais. Ça a se renseigner parce que je crois que moi, quand je l'ai réservé à Micro, ils m'ont sorti mois d'avril. Non, moi j'ai fait voir Micro Mania avant-hier et le 15 mars ça sortait. D'accord, bon bah c'est qu'ils ont avancé la date. Parce que moi j'ai été au mois de. J'ai été au début de janvier. Ah ouais. J'ai été au début de janvier donc. Parce que j'avais été. Bah quand j'ai précommandé Hitman en fait. Ah ouais. Mais renseigne-toi parce que moi ma Micromania. Oh bah t'inquiète pas, de toute façon je suis derrière pour besoin de me renseigner. Je vais te dire que ils vont m'appeler directement. S'il sort le 15 mars, on va dire qu'ils vont m'appeler
le 12 ou le 13. Tu pars comme pour le week-end, bien sûr. Ouais, des fois. Salut à tous les nouveaux arrivants sur le live, bienvenue. Ouais, des fois, voilà, en plus, le truc, c'est que... Ouais, des fois, les jeux, je les ai presque une semaine avant, quoi. Ah ouais. Bah ouais. C'est comme le... C'était lequel ? Le Uncharted 4. FF Hand. Ouais. Il devait sortir le mercredi 10 mai. Je me rappellerai toujours de cette date. Il devait sortir le mercredi 10 mai. Et moi, je l'ai eu le samedi d'avant. Quoi, le vendredi d'avant même. J'ai eu le vendredi à la place du mercredi. J'avais pratiquement une semaine d'avance sur les autres. Mais j'ai pas, j'ai pas pu le streamer. Ouais, bah il y aura des chances que je l'ai peut-être le samedi. Généralement, moi, quand c'est un mercredi, quand le jeu il sort le mercredi, je l'ai. En règle générale, je l'ai le samedi. S'ils ont pas de retard dans les livraisons. Ouais, c'est ça le problème. Bon, après, je suis pas. Après, pour l'instant, je suis pas sûr d'aller chercher de suite parce que après il faut qu'il les finance. Ça faisait une période déjà que je te voyais déconnecté sur Play, je me demandais quoi en fait. Bah ouais, non mais c'est le truc, c'est il est tout con, c'est que je reste en hors ligne en fait. Je joue tout le temps, tous les jours, mais je reste en hors ligne. Tu peux pas jouer en réseau aussi. Tu peux jouer en réseau maintenant. Oui. Mais les trucs, c'est que les gens, ils peuvent pas t'inviter. C'est toi, en fait, c'est toi qui invite. C'est moi qui invite, en fait, à chaque fois. Parce que je peux pas me faire inviter. Je vais sur GTA, par exemple. Ils vont me voir comme si j'étais déconnecté. Ouais, comme moi, ça fait, quoi. Ils vont me voir comme si j'étais déconnecté. Et après, mais après, voilà, par exemple, si je veux t'inviter, si tu joues à Assassin's Creed Unity, je vais t'inviter sur une mission COP. Bah en fait je t'invite en fait. Okay. Et après le truc c'est que je pense que dans chez Ubisoft par contre chez Ubisoft même si tu joues que tu veux m'inviter je crois que tu pourras parce qu'ils vont te mettre ami en jeu. Ouais. Ils vont te mettre ami en jeu et je serai affiché. Donc voilà. Ouais mais c'est normal je vois. Non mais c'est peut-être pour moi parce que j'ai toujours une connexion très mauvaise, d'où le fait que j'avais arrêté les streams. Mais ouais j'ai toujours une connexion très mauvaise. Qu'est-ce que je vais faire déjà? Je vais couper un assassin, comme c'est écrit dans ses lignes. Le son Griquet. Avant sa mort, il a remis ceci à mon prédécesseur qui a lui aussi pris le nom de Cartouche. J'ai poursuivi l'œuvre de ces hommes. J'ai volé aux riches pour donner aux pauvres. Hein. Et je n'ai pas ménagé le temps à pris mes forces. Et je cherche quelqu'un qui canal play. Ah ouais, ton wifi. Et ouais, ben ouais. Un nouveau cartouche pour un nouveau siècle. Je vois. Ouais, ouais, okay. Et suis-je l'heureux héritier? Ouais, je suis en wifi et si tu veux, je suis assez loin du décodeur. Parce que je suis plus chez moi. Comme t'as pu le savoir. Ouais, ouais, bah. On s'est peut-être parlé. Ouais, ouais. Après quoi. Ouais, donc. Voilà. J'ai pas la connexion qu'il faudrait. Parce que je suis pas chez moi, donc c'est pas moi qui gère la connexion. T'inquiète que je prendrai le best de chez best et puis j'habiterai pas dans un bled où il n'y a pas d'ADSL. C'est dur hein, je te dis de dépasser les 1 giga, c'est dur. Hein. Donc là je fais le test, allez je serai peut-être à 436 kbps par là. Ouais, bon, c'est pareil, ça va comprendre, c'est le début, c'est pas top, hein. Ouais voilà c'est ça, c'est le gros problème tu vois. Et bon ça tient un peu tu vois, bon là à part quand j'ai bugué mais ça c'est. Ça arrive. Moi, tu vois, j'ai 1 mégabit par seconde, un truc comme ça. Mais vitesse augmentante, j'ai rien.
Ouais, voilà. Moi, j'ai. Bah, moi, ça se maintient. Moi, ça se maintient parce que j'ai 430. J'ai 430 et 200. Bon, j'ai. Enfin, j'ai rien, mais ça se maintient, tu vois. Quand t'as rien, ça peut plus se maintenir. Mais. Voilà, après, on fait avec les moyens du bord. C'est bien. On fait avec les moyens du bord. Bon, après, voilà, c'est le temps que moi, je me remette d'aplomb. Là, je suis en train. Là, j'ai mis. J'ai un beau petit billet de 750 € qui va partir pour la moto, à peu près. Elle est en train de se faire ausculter. Pourquoi la moto, c'est ça que tu dis? Ouais, pour la moto. Oh, ton micro est bugué. Ouais, pour la moto, c'est ça. Oh, tu as passé ta moto? Oh, ça fait 3 ans que je l'ai. Non, c'est mon rêve. Quoi? Je dis moi c'est mon rêve. Ah ouais, moi je l'ai passé, moi je l'ai passé, en fait si tu veux, je suis arrivé ici il y a ça va faire 5 ans. Je suis resté une année comme ça tranquille. Et l'année d'après, au mois de septembre, l'année d'après, un an après j'ai passé mon permis moto. Putain ça va. J'ai passé mon permis moto avec ma prime pour emploi, comme ça, rien payé. Et là après bah, je m'étais acheté j'avais commencé sur une GSXF mais elle me coûtait hors de prix niveau assurance parce que c'était considéré comme une super sportive. Donc j'ai travaillé pendant un an où j'ai fait des heures. J'ai mis de côté, j'ai fait un crédit pour mettre au bout et je me suis acheté une petite 600 bandits à 25, tu vois, tranquille. Ouais, ouais. Et vu que j'avais une copine qui était assez casse-couille au niveau moto, j'ai roulé une demi-saison avec et après elle est restée 2 ans et demi dans le garage. Putain. Et là j'ai décidé de la ressortir parce que je suis en train de revendre ma voiture et tout, donc je vais rouler qu'en moto. Donc pour travailler, bah, il faut bien un moyen de locomotion. Pour faire le moyen de locomotion, il faut faire la moto. Je l'ai sorti du garage, j'attends la réponse, elle est en train de se faire un devis. J'attends la réponse du garage. Bon déjà le type bien cool au garage, bon, il est déjà réputé pour être arrangeant et tout. Je lui ai expliqué un peu l'histoire et tout, je lui ai dit bon voilà, la moto, ouais, ça fait 2 ans et demi. On avait fait un pré-devis dans le garage à UNU dans le garage direct parce qu'il était venu directement à domicile le type. Hein. Ah ouais. Ouais ouais, moi la première fois qu'il est venu, il est venu directement à domicile me faire un devis, me dire à peu près à l'UNU ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Donc il m'a dit ouais, mécanique plus pneu, il y en a pour 1 000 €. Moi je lui ai dit écoute, j'ai jamais la moto, j'ai dit écoute. On fait déjà mécanique en priorité, après des pneus. On a dit bah écoute, moi je vais voir pour essayer de. Je vais la regarder, voir ce qu'elle a, combien il y en a. Combien il y en a et voir si je trouve une petite paire de pneus de Dunlop ou de Bridgestone qui sont plutôt pas mal, c'est pas très cher. En occasion, je vais te les mettre avec. Il est au moins une saison. Alors, toujours en essayant de respecter mon budget que j'avais pour la moto, parce qu'il faut les sortir quoi, après, tu vois, c'est ça. Je suis au chômage, je touche plus rien. Donc le truc il est là le délire, tu vois. Donc j'ai réussi à mettre, on va dire, à boucler un peu un budget de 750 €. Je pense qu'il va réussir à faire. Mais il m'a dit si jamais il y a un schiste, si jamais il y a un schiste sur ta moto, je te la vends d'auto vente à 400 €. Ça te fait 1 100 € et j'essaie de trouver une case derrière. Ouais, non, voilà, mais voilà, il m'a dit si elle a un schiste, qu'elle vaut pas le coup. Ouais, bah ouais, ça sert à rien de dire, non, ça vaut pas le coup. Bah, si elle me revient plus cher que le prix, de toute façon, je lui dis si elle me revient plus cher que le prix d'achat. Voilà, c'est tout.
Donc j'ai dit ok, c'est ma faute, je l'ai laissé traîner, tu vois. Je peux rien dire. Mais bon, c'est quand même. Tu roules là, tu la démarres même pas, dis rien en fait. Tu l'as laissé comme ça dans le garage pendant 2 ans. Ouais, elle est restée comme ça. Bah ouais, parce que le moindre truc. Quand il y avait, tu vois. Parce qu'au début, le garage, il était pas à proximité de chez moi. Il était à. On va dire. Peut-être un kilomètre, un kilomètre 200, tu vois. Mmh. Ouais, ouais. Et après, après, j'ai trouvé un garage à côté de chez moi. Mais bon, le mal était déjà fait, quoi. Je l'ai déjà poussé pour aller pour l'amener jusqu'au garage, quoi. Et après, vu qu'elle était à côté de chez moi, j'étais plus tenté à sortir, tu vois. Avec. Et ma copine a fait ça, je suis même pas là. Donc, elle sortait pas au final, tu vois. Et bon, au final, en fait, j'ai l'essence qui a coulé dans le moteur, en fait, tu vois, force. Tu vois, le vent, il est devenu poureux, ou je sais pas trop quoi, le bouquin de bordel, enfin bref. Et le robinet, tu sais, il est peut-être pas fermé un jour et que ça, il est resté ouvert. J'ai toute l'essence qui a coulé dans le moteur. Donc déjà, j'ai une vidange à faire. Je sais que j'ai un embrayage à faire, parce que la garde de butée, tu sais, elle est morte, tu vois. Donc j'ai au moins la garde de butée à faire. Voilà, les carburants à nettoyer, la vidange. Voilà quoi. Un bon nettoyage, une bonne vidange, changer les quelques pièces qui sont grillées parce qu'à mon avis, les joints de carbu, etc., ils ont morflé. Avec l'essence, ils ont dû être attaqués. Donc voilà. Donc, peut-être les carburants à refaire, là, ça a une synchro de carbu. Enfin, voilà, ça va chiffrer vite quoi. Ouais! Après, je m'attendais pas à me sortir avec 300€ de réparation, tu sais. J'ai prévu le coup. C'est simple, quand je l'ai amené la moto, il y avait la même que moi, à peu près. Un peu plus neuve aussi. Il y avait un peu plus neuve. Le même problème. Bon, elle avait. Par contre, la moto, elle avait 5000 km. Ouais. La moto elle avait 5 ou 10 km, enfin bref, elle était presque neuve, tu vois. Et le type il s'en est sorti pour 640€. Donc moi je me suis dit avec la mienne qui a 75 000 km, si je rajoute 100€ de pièces d'usure en plus, je pense que c'est pas mal. Donc ça tomberait à peu près dans les 700, ouais, dans les 750€. Donc voilà. Du coup je te parle, je tourne en rond, je ne fais plus rien. Putain. Zoé, s'il te plaît. Ah, le truc. Mais là, le truc qui est phénoménal, c'est. Je suis à la fin du jeu, tu vois, sur Assassin's Creed Unity. Je suis à la fin du jeu. Mmh. Et pour le platiner, il faut que je collecte tous les trésors, mais ils sont pas tous apparus sur la carte. Ouais. Et il m'en reste à peu près un ou deux dans chaque quartier, et c'est la merde à les trouver. Parce que si tu mets pas la vision d'aigle, ils apparaîtront jamais. Chut, Luna. Donc si tu vois l'écran bleu, c'est normal, c'est moi qui active la vision d'aigle. Non, bah là je suis plus sur PC, je suis à ma place. Ah d'accord. Ah mais je te le dis parce que je sais que ça, tu le verras encore. Ah. Ah non, c'est fou toi. C'est ma vie, mec. C'est ma femme la plus fidèle. Oh putain. J'ai pas regardé ma santé. Donc voilà. En plus. C'est la meilleure femme que ça, quoi. Ouais, non, mais ouais. Mais après, quand tu vois les trucs et tout, tu sais. Ça, tu te prends la tête tout le temps, donc c'est pas la peine. Tu vois, avec des personnes et tout, tu te prends la tête. Encore récemment, je me suis pris la tête avec une personne, voilà. Bon. Elle dit, j'ai dit, coupez court. Ben, j'ai dit, coupe court, vas-y, coupe court. Donc, voilà. Personne qui était venue me voir, tu vois, parce qu'elle était sur Assassin aussi.
que je connaissais, hein, que je connaissais. Donc elle voulait, voilà, elle était débutante sur la play, elle voulait un peu d'aide, l'aider, etc. Et puis, c'est parti en javel. Enfin, bref, tu vois, c'est aussi pour ça que je me mets toujours en ligne comme ça, moi. Ouais, moi, t'es tranquille, y'a plus personne. Voilà, tu vois. Tu vois, je vais avec qui je veux, je vais dans les parties avec qui je veux, personne me voit, je passe discret. Ok. Donc, voilà, mais sur Twitch aussi, hein, par un moment, j'étais déconnecté de mon compte. Mais j'ai un compte sous-marin, en fait. Et j'ai questionné un petit peu, on va dire, des streamers que normalement on était amis, tu vois. Ouais. Mais je rigole, hein. Je rigole, hein. Comment ils baffent sur ton dos. Comment ils baffent sur ton dos quand t'es pas là, tu sais. Ouais, c'est clair. Il y a tout ce qui se passe, il y a personne qui te voit. Et ouais, parce qu'en fait, le truc... Parce que le truc qui s'est passé, c'est que le type, au début, tu vois, bon, il venait et tout, pendant que je streamais, etc. Et puis après, il a voulu se mettre à streamer. Jusque-là, tu sais, il fait ce qu'il veut, tu sais. Et le type, bon, le truc qu'il savait pas, c'est que moi, j'ai les rediffusions, tu sais. J'ai mes rediffusions qui s'enregistrent. Sur... Décampe. Oui, tu es pressé. Sur comment? Sur Twitch. Et à coup, j'ai regardé une rediffusion. Et à chaque fois que je partais, en fait, le type, il faisait sa pub pour que les gens de mon live viennent sur le sien. Il streamait toujours en même temps que moi, tu vois. Il venait en partie, il était tout le temps en live en même temps que moi, etc. Et il disait aux gens de mon live de venir sur le sien, comme quoi mon live, il était pourri, que le sien était beaucoup mieux, etc., etc. Et donc moi j'ai mis les choses au clair, j'ai dit écoute, moi j'ai dit j'ai besoin de personne pour avoir proposé mon live. J'ai dit moi tous les follows que j'ai, c'est des follows, que c'est des gens qui sont venus pour un follow. C'est pas des gens de Pierre, Paul, Jack, qui sont sur les autres lives. J'ai voilà. Et voilà, j'ai dit au moins moi voilà, moi les trucs sont. Moi mes followers, bon j'en ai plus beaucoup qui passent tu vois. Mais j'ai commencé à me casser les couilles. Ouais, là j'ai mis de la bombe en bombe à fumée, laisse tomber. Alors. Et du coup, bah, dès qu'il peut baver sur ma gueule, il bave sur ma gueule. Sauf que moi, j'ai un petit compte sous-marin, justement, parce que je connais un peu les mentalités des personnes qui sont sur Twitch. Donc j'ai mon petit compte sous-marin que personne ne connaît. Même mes meilleurs potes ne le connaissent pas. Ceux que j'ai en PlayStation, que je suis beaucoup avec, ils ne le connaissent pas. Et j'ai fait un test, je te jure, j'ai fait un test. J'ai créé ce compte, j'ai fait un test. Au tout début que je l'avais, hein, j'ai fait un test. Mais à quelqu'un que je suis tout le temps avec, tu vois. J'ai commencé à lui faire des saloperies, etc. De lui mettre tout, tu vois, de lui donner des indices, tu vois, comme le réduire. Calé. Il a jamais fait le rapprochement. Il a jamais fait le rapprochement. Donc je sais qu'avec ce compte, je suis tranquille. Ça, c'est clair. Personne ne me reconnaît. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé ? Maman va arriver après. C'est tout. Bah après je me suis fait ban de sa chaîne, tu vois. J'ai tellement poussé le bout que je me suis fait ban de sa chaîne, tu vois, il m'a ban. Je lui dis c'est pas grave. Je lui dis je reviens. Vous comme un gentilhomme. Tu sers quelque chose pour nous.
Canon, mon capitaine. Si nous attaquons, ils vont nous cribler de mitraille. Je suis le lieutenant Joachim Murat. À cet instant, nous sommes au bord de la guerre civile. J'ai besoin d'un homme courageux. Salut, nous arrivons sur le live de nouveau. Elle part au cinéma sans toi, ta femme, bravo. 59 degrés. Tu sais qu'il est en DVD maintenant. Non, mais c'est la deuxième fois qu'elle va le voir. Ah oui, le million de clés, maintenant il existe en DVD, tu vois. Ah mais il est parti là, je sais plus quoi. Putain, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les contrer. Ouais, ça, mais 50 nuances degrés, ouais, ça fait un bail qu'il est sorti. Ah mais après, là, c'est le nouveau le dernier qui est sorti là, c'est le dernier là, je sais plus le nom. Là. 50 ah. nuances, je sais pas quoi là. Ouais, ils ont peut-être sorti le deuxième volet. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je suis pas trop cinéma, mec, tu vois. Bah. Je préfère, chez moi, tu vois, regarder un bon film dans mon canapé. Ouais, voilà, bah, je suis pareil. Moi, je suis plus DVD, tu vois. Moi, je prends tout en DVD. Ouais, ouais. Bon, après, j'ai 500 DVD. J'ai 500 DVD en tout, donc j'ai de quoi faire. Allez, j'ai bugué. Je me suis fait. Ouais, c'est pas cool, c'est pas bon, bah, je vais m'auto-tuer. Doé, s'il te plaît, tu la laisses tranquille. Hein. Mon déplacement rapide. Salut, nouvel arrivant, bienvenue à vous. 4,49, ouais, je sais pas combien je suis, c'est pas grave. Alors, je suis à combien d'heures de stream là? Ils me le disent pas, tant pis, c'est pas grave. Ouh. Attends. Il n'y a pas de nouveaux arrivants en fait. Non, mais en fait, c'est moi qui ai bugué. C'est parce que j'ai eu 3 plus 1, c'est moi qui ai bugué. À 4h52, ouais, tu vois, ça fait 3 minutes que le message s'est affiché. Zoé, tu la laisses tranquille. Après, je vais aller boire un petit coup, aller me faire une cigarette. Zoé, tu lui laisses les gommettes. Tu la laisses tranquille. Oui, oui.
Par contre, le truc qui est abusé sur tous les Assassin's Creed que je connais, c'est le Black Flag. Oh, tu dois faire des trophées en multi, mais il est pourri. Il est pourri ce trophée. Franchement, ça pue. Ah là, les trophées, les trophées de trophées. Non, ils sont pas mal les Assassin's Creed, ils sont bien immersifs quand même et tout, c'est pas... C'est des jeux qui sont pas mal, mais là, le multi sur Black Flag, tu te fais chier comme un rat mort. Tu dois monter au niveau 55, je suis à peine au niveau 35. Je suis à peine au niveau 35, j'en ai marre. J'en ai marre parce que tu fais... Il est pas passionnant, il est... Ouais, c'est chaud. C'est... Tu sais, c'est pas un multi comme dans Black Ops ou dans Battlefield où c'est vachement amélioré et que voilà, t'as pas le temps de t'ennuyer, tu vois. Non, c'est... Tu t'ennuies, quoi. C'est un multi où que tu joues solo, quoi, tu vois, en plus. Si nous attaquons, ils vont nous cribler de mitraille. Voilà, tu vois, c'est un multi où que tu joues solo, tu vois, c'est... Dans ce cas-là, j'aurais dû faire comme dans l'Unity, faire des missions cop pour les trophées multi et au moins t'es très tranquille, quoi. Bon, j'arrive. Zoé, tu la laisses. Oh, t'es sourde. Reprends-toi ou tu en subiras les conséquences. Non, il y en a des autres, lui. Après, il y en a encore. Je pourrais te faire condamner pour trahison. Non, hein? Après, il y en a encore des autres. Trahison. C'est le dernier mot que tu l'entendras. Regardez-moi cette uniforme. C'est une honte. Tu n'es pas fier de ton pays, hein? Ni de ton unité, ni même de toi. Si le colonel te voyait dans cet état, il nous enverrait tous au front. Vous finiriez au bout d'une baïonnette prussienne. Encore? Mais qu'est-ce qui a pu te faire croire que tu serais un bon soldat? Rien! Un groupe de royalistes s'est emparé de plusieurs canons, mon capitaine. Si nous attaquons, ils vont nous cribler de mitraille. Aucune notion de l'honneur de la patrie. J'ai connu des chiens errants qui obéissaient mieux que toi et qui sentaient moins mauvais. Regardez-moi sur ce bout. Folle pas tout. C'est une honte. Folle pas tout. Tu n'es pas fier de ton pays, hein? C'est vrai. Ni de ton unité, ni même de toi. Si le colonel te voyait dans cet état, il nous enverrait tous au front. Vous finiriez au bout d'une baïonnette prussienne. Reprends-toi, ou tu en subiras les conséquences. Je pourrais te faire condamner pour trahison. Hein? Trahison. C'est le dernier mot que tu entendras. Sous tes pantoufles. Encore? Mais qu'est-ce qui a pu te faire croire que tu serais un bon soldat? Rien! Tu n'as aucune discipline. Un groupe de royalistes s'est emparé de plusieurs canons, mon capitaine. Si nous attaquons, ils vont nous cribler de mitraille. J'ai connu des chiens errants qui obéissaient mieux que toi et qui sentaient moins mauvais. Toi, citoyen, pensez long sur ces affaires. Je dis vrai. Tu verras que ces révolutionnaires auront tout fait se proclamer roi.
Regardez-moi cette jeune femme. C'est une honte. Tu n'es pas fier de ton pays, hein? Ouais. Ni de ton unité. Du coup, j'ai pas vu un coup. Ni même de toi. Après la je suis le lieutenant Joachim Murat. Alors. Putain, je me fais déjà détecter. Hé, hey, toi là-bas, hey. Reste là, citoyen. Arrête-toi, citoyen. Salut Mitri, comment tu vas? J'ai déjà niqué tous ceux qui sont sur les toits là. On peut faire la paix. Putain, ils rentrent sur les toits maintenant, c'est mieux. Tu vas payer. C'est abusé. Salut au nouvel arrivant sur le live. Alors, c'est peut-être celui qui est parti du coup. Oui, donc c'était celui qui est parti. Oh maman, citoyen! Tu vas pas tuer. Tu es seul. Tiens, Zoé, s'il te plaît. Je crève.
Ton aide serait utile. Bien. La confrérie a besoin de toi. Une minute, toi, je vais te parler. Voilà. Si on l'avait faite. Une minute, toi, je vais te parler. De quel côté es-tu, hein? Dans quel camp te bats-tu? Ah, dis-moi, Luna. Dans ce cas, tu n'as pas volé ça. Crève. Quoi? Ah, dis-moi. Et de quelques cartouches. Un message de Bonaparte. Qu'y a-t-il, capitaine Dumas? Nous sommes en fâcheuse posture. Des sympathisants royalistes veulent faire savoir au prince Ferdinand que nous sommes vulnérables. Des royalistes fomentant une invasion autrichienne. Il n'y a plus de lumière dangereuse quand même un petit joueur à ligne. Nous devons agir plus vite. Si nous sabotons les tours Chape, le message ne sera pas transmis. Oui, voilà. Cela laissera mes hommes le temps. Je suis en ligne, mais j'apparais hors ligne. Ouais. Ouais. Pour tes amis, t'es hors ligne. Quoi. Voilà. J'ai tous les, on va dire, les avantages, quoi, les trucs en ligne, mais j'apparais en ligne. Après, voilà, tu sais, les messages, je les reçois sur mon portable directement. Il y a de quoi faire. Mais je crois que je vais bientôt faire un bon tri dans la liste d'amis, là, ça va vandaguer. Tous ceux que ça fait déjà plus d'un mois, tu vois, qui sont pas connectés, ou quoi que ce soit, c'est que pour moi, ils m'ont supprimé. Donc ça va jarter. Plus ceux que j'invite qui sont dans les parties qui ne reviennent pas, ça va partir aussi. À mon avis, je pense que de 220, je vais peut-être repasser à une cinquantaine, voire 60 maximum. Ah ouais, 220 quand même, putain. Bah ouais, bah c'est beaucoup de personnes que j'ai croisées lors de stream ou de. Ouais, genre. Ouais, ou d'amis, ou enfin voilà quoi, c'est des trucs, c'est des trucs comme ça. Mort. De toute façon, je vais pas un soir ou une journée, je vais m'y prendre et puis si tu veux pas les supprimer tous d'un coup, tu vas être obligé de faire pratiquement un par un. Oui, je regarde dans les paramètres, amis, etc. Regardez si je peux pas tout sélectionner. Dire au revoir. Mais c'était toi qui, sur les streams, c'était toi qui mettais tout le temps du trio, du... Je sais plus, parce que j'ai Roquette et Renéfort, donc je sais plus c'est lequel des deux. Il me semble que c'est toi. Tu mettais tout. Ouais, du trio. Quand il y avait le son de Roquette et tout, tu crois pas? Si. Si, voilà, c'est là, c'est le problème. Non, ça rogne.
Taïeon. Les gens là. Je peux pas tout faire. Presque plus rien. Plus tu me gênes, j'ai plus rien. J'ai plus les yeux pour pleurer. Allez, on va fouiller tous les ennemis que je viens de buter. Ah, ils attaquent, hein. C'est qui? Bah après, c'est, faut dire, c'est les plus chauds parce que c'est le dernier quartier que tu débloques pratiquement, donc c'est les quartiers de la fin, ça. Zoé, on laisse ta bouche. Et on recule un peu de la télé. Il est encore assez grand, quoi. Quoi? Quoi? Tu sauras qu'une télé n'est jamais assez grande. C'est clair, putain. D'être tombé sur plus fort que toi. Ah putain, ça me casse les couilles, ça. Il y en a qu'un. Je vais te marier, petit coupé. Revoilà. Je
Oh, les filles, on peut pas s'asseoir sur le canapé, là ? Oh, à l'aide ! Garde ! Par ici ! Profite bien de tes rêves, le réveil sera dur. Finir sous terre.
Ah, tu es là. Frappé par derrière. Enfin, un peu de respiration. Je n'en vis pas ta migraine. Battu. Battu comme une ville. S'agitant dans l'air faite de bois et chambre, elle forme des mots. Chaque homme doit franchir l'arche qui mène au champ de la guerre. Fossidèle célèbre sur scène, divertit ce suprême être qui se prétend tel. Fossidèle célèbre.
Salut Valentin 448, bienvenue à toi. Les esprits éduqués guident les flots des combats sur les ailes des anges, ils observent les champs de guerre. D'accord. Zoé, mets-le dans le couloir. Et ferme les portes, s'il te plaît. Enlève la bouteille de la télé, s'il te plaît. Les esprits éduqués guident le flot des combats sur les ailes des anges. Je reviens de la voir. Zoé. Zoé,
Ah bon. Ah si, il m'en reste une. Deux, trois. Ah, il me reste trois et demi. Gemini, mais je l'ai fait, Gemini. Peace. Que les aristocrates. Ils sont plus utiles sous terre. Vous ne comprenez. Ah, j'ai passé un bon moment. Merde. Je suis parti à la Franciade. Truc du DLC, t'sais. On va déjà terminer le jeu principal, après on verra pour le DLC. Très c'est clair. Tu cherches. J'ai que mes briquets là. Zoé. Monsieur, je me demandais. Laisse le sens, s'il te plaît. J'avais envie d'aller me promener dans les jardins avec une amie. Ouais, il m'en manque trois. Ferme la porte. Hein ? Non. Il est 18h30, je commence à avoir la dalle, c'est pas bon. Eh bien quoi, maintenant ? Ah !
Hop. Désolé pour l'écran bleu. On va voir. Il faut que je commence à faire le tri dans mes amis. Donc dès qu'il y en a qui se collectent, j'invite et on voit. Si elle rejoint, c'est bien. Si elle rejoint pas, tant pis. Ah bah. Ok. Rocket, tu nous quittes comme ça, sans dire au revoir. C'est quoi ce bordel? Hey, écoute-moi. J'ai dit que je voulais tout. C'est venir. Ton... Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, c'est toujours. Bah alors, Rocket, si t'arrives. Ouais, ça m'a coûté de la partie en fait. Ouais, t'as une erreur. Comme quoi, ils te disent que t'as quitté la partie suite à une erreur réseau. Ouais, j'étais avoir mon débit de connexion et ça m'a sorti de la partie en fait. Ouais, bah c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure quand tu m'as dit j'ai bugué en fait. Ça m'a quitté la partie aussi. C'est des. Putain, mais je l'ai faite celle-là, c'est obligé. Et oui, je l'ai faite. Allez, j'aime bien parce que tu recommences des trucs. Les notables héritiers de ta façade sont pétrifiés par le sort des exécutions. Un jour tu fumiras du feu qui dévorera tes entrailles. Ouais, ok. Bon. Zoé, tu la laisses tranquille? Bon, alors là, je vois pas du tout. Mais... Zoé, t'es sourde? Laisse-la tranquille. Tu te fous de moi? T'as plein de Playmobil dans ta chambre. T'as qu'à aller chercher la voiture puis la caravane. Et la caravane, elle est où? Bah, t'as qu'à la descendre. Tu laisses ta soeur tranquille. Alors, comment ça se fait qu'il me déconnecte à chaque fois, lui? Me connecter, ok. Allez, on recommence, on va refaire les recherches. Mais par contre, les énigmes, c'est des trucs de taré. Heureusement qu'Internet est mon ami. Bah ben ouais. Ah mais attends, va trouver ça. Les notables érudits de ta façade sont pétrifiés par le sang des exécutions. Un jour, tu frémiras du feu quand te dévorera les qui te dévorera les entrailles. Putain. Il était fada, hein, Nostradamus. Hein. Je me demande s'il est pas mort fou, lui. Ah, Zoé! Parce qu'il n'y a pas de bûcher, quoi si? Cet animal! C'est ça! Quoi, je sais pas. Oh,
Dan, passe-lui. C'est vrai, c'est quoi, je vois pas. Oui. Fais voir. Alors. Ah ouais, non, non, tu peux pas, le loup. Non, tu peux pas. Ouais, ouais. C'est... Oui. Ouais, non, tu peux pas l'accrocher. Non, tu peux pas. Il va falloir qu'elle accroche là-bas. Il va falloir qu'elle accroche là, en fait. Tiens. Arrête de crier. Il est où, toi? Le toit, il est où? Alors, il dit où? Zoé. Vestige du passé. Voilà. Oh, tu vois, le dernier, il l'a obtenu le 23 2, il y a 3 jours, le trophée. Tu vois, je suis pas si en retard que ça. Pour quelqu'un qui a du tout recommencé. Alors, Capricorne. Zoé, tu lui passes, s'il te plaît. Faites des gaz, faites... Camping-car, Zoé. Échange avec Zoé, loulou. Eh ben, prends la voiture avec la caravane. Sur la face. Viens, loulou. Alors, je vois pas le rapport. C'est pas grave. Père. Sur l'hôtel de ville. Alors, c'est quoi la deuxième énigme? Ah, ça ira, ça ira, ça ira, résonnera singulièrement la singulière lumière, tu porteras ténèbres, plus tu seras, tu ne dissiperas, briser les coups, préférera. Ça, c'est la guillotine, ça. C'est la chanson de la guillotine, ça. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je connais pas là. Mais t'inquiète, j'ai passé les chansons révolutionnaires en long, en large et en travers. Dès que tu débloquais un truc, tu les entends des chansons. Tout orphelin qui est devenu. Tout orpheline qui est devenu le reste, début du voyage du pèlerin, des signes entre les chimères, poids de l'air pour l'un, alchimie pour l'autre. Zoé, voilà. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ça doit être une tour unique. Voilà. Impossible de tirer les commandes vocales. Ouais, je sais pas. Non, mais t'as dû dire un mot qui devait ressembler. Salut Arnaud.
Spider-Man, non? Il faut ce qu'il faut. Doucement, va choisir. Voilà. Celle-là, au-dessus, il y est pas. Là, il fait pas Spider-Man. Bah, regarde. C'est bon, laisse, c'est bon. Assieds-toi. Je suis plus sur le truc. Salut Malik 59220, bienvenue à toi. Le Nord est représenté. Oui.
bienvenue. GG Rocket pour ton level 9. Je sais pas si tu le mérites, mais. Bah, il vient d'apparaître, hein, je crois. Comme ça. Oui, mais tu attends. Ouais, t'as pas l'air. Là, fais de la guitare.
Tiens, Zoé, s'il te plaît. Zoé, tu la laisses faire, s'il te plaît. Tu la laisses faire. Là, tout est fini. Que c'est long de trouver des cartes. Pas sa gazette.
Sur le mont de Sainte-Geneviève, un visage romain, des anges à trompette plane vers un pic de mouflon nord. Je vais peut-être te laisser, mec, j'ai un pote qui va arriver. Ça marche. Bon, bah, je te dis à la prochaine, Ludo. À plus. Bah, reviens quand tu veux, hein. Maintenant t'as la technique, hein. Bah allez, bonne soirée. Alors. Bonne soirée. Halt, tu vas te parler, citoyen. Là, je vais pas tarder à aller manger. Je fais juste l'énigme là et après je vous laisserai les gens. Quatre ici sont sages. Qui a fait ça? Allez, parlez!
Ah, dans le quartier. Pour moi, le pire, sur le mont Geneviève. Oh, c'est le Panthéon, mais... sans connexion. Est-ce que c'est celui-là ? Je sais pas. Comme un anneau, tu cherches un anneau des anneaux. Au sommet de l'édifice, une ville. La ville est en contrebas. Derrière.
Des colonnes me soutiennent, témoins des rêves de la nation, carrées et non pas rondes, elles sont hors de vue. Elles sont comment les colonnes avant? Tout se passe au niveau du Panthéon. Échafaudage. Les colonnes carrées qui la soutiennent, c'est la grosse coupole.
Pour moi, c'est au niveau de la coupole, parce que le truc des colonnes carrées, il n'y a que la coupole qui est... Ah non, il y a les autres trucs. Ouais, mais c'est bien un rapport avec les colonnes carrées. Voilà, c'est à l'avant. Je regarde où dans la nef entrée des zéro profanes remplaçant ceux du ciel. Alors, ça c'est des dessins de la coupole, ça c'est oublié. Mon office a changé, je regarde de haut dans la nef, entrée des héros profanes remplaçant ceux du ciel. Pour moi c'est des peintures, hein. Ils sont au niveau de la coupole. Dans l'arche, putain, il faut que je re-rentre. Cartoon sec là. Tout s'est tué, ça va vite fait.
Mais tout se passe au Panthéon de toute manière, donc ça, ils ont mis 4 énigmes tous au Panthéon. Alors. Donc c'est pas la peine. Vestige de la renommée gisse dans l'air vicié, le plus célèbre de tous, le tombeau de Voltaire. Vestige de la renommée gisse dans l'air vicié, le plus célèbre de tous, le tombeau de Voltaire. Qui dit tombeau, dit sous-sol. Vu que c'est dans le Panthéon, on va repasser par où qu'on était arrivé. Donc tout ce monde là, ils sont sérieux. De... Donc c'est des trucs comme ça, parce que ça, là c'est pas la bonne personne, je pense pas.
Sortir. Eh ben connasse, c'était bien compliqué tout ça. Bon, alors. Il me manquera plus que celle-là. Bon bah les gens, moi je vous laisse là, donc on s'est arrêté ici, donc on reprendra ce soir tout à l'heure ici, là je vais aller manger. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, je vous dis à tout à l'heure sur un prochain live, allez ciao, bye bye.